Eh bien, salut tout le monde, c'est Faredge et on se retrouve aujourd'hui pour notre arrivée à Lindblom après nous être échappés d'Alexandrie et avoir récupéré notre première vraie chimère, Ramu. Allez, quittons cet endroit. Et vous allez comprendre pourquoi je voulais pas continuer l'épisode la dernière fois. Jidan! Je voudrais utiliser la magie chimérique pour le bien de tous. Je suis sûr que tu y arriveras à Grenat. Jidan! Regarde! La rose rouge. Cette lumière, des vasques de téléportation, elle envoie les mages noirs dans le château! C'est comme Aclaira, elle fait d'abord attaquer les mages, ensuite elle anéantit les restes à l'aide de la magie chimérique. Mais non! Pourquoi, mère? Mère! Grenat! Trop calme. C'est affreux, mère. Comment a-t-elle pu attaquer Lindblom? Faites attention, ils sont peut-être tous partis. Ils sont peut-être pas tous partis. Bibi, cache-toi par ici. Non, je ne veux pas. J'ai peur tout seul. Écoute, s'il y a des soldats d'Alexandrie, ils te reconnaîtront tout de suite. T'es un mage noir. D'accord. Et pas peur, on revient te chercher dans 5 minutes. Reste ici, Bibi. Oui, j'ai compris, mais revenez vite. Aïe, 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 aïe. Quel massacre. Tous les taxers ont été détruits. Bah ouais, ouais, là, ouais. Bon, putain, vous imaginez pour... Ils ont carrément éliminé les clients qui étaient dedans, quoi. Aïe, 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 aïe. Apparemment l'auberge elle n'a rien, je pense que c'est fait exprès si on veut sauvegarder. Je vais juste regarder si j'ai pas une lettre à lui donner. Ouais, j'ai une lettre. Une lettre de Célino, la moque volante. C'est rare, merci de me l'avoir apportée. J'ai eu l'occasion de monter dans l'aéronef rose rouge. Mais de là j'ai vu une scène atroce. Odin est vraiment une chimère dévastatrice. Il a détruit d'un seul coup le grand arbre de Clara. Il n'en est même pas resté une seule cendre. Branette a fait disparaître Clara. Quelle reine affreuse! Est-ce que tu as une lettre à me donner éventuellement? Ouais, une lettre pour Jidan. Ah!
Tu n'as vraiment pas de bon comédien à me présenter? Il y avait un frimeur, Alan Blom, comment il s'appelait déjà? Il n'était pas si mal que ça. En effet, ce n'est pas le moment de se montrer difficile. Notre café-théâtre n'a pas encore beaucoup de succès. Roel, oui, peut-être. Et est-ce que tu as une lettre à me donner? Ouais, tu as une chose à me demander. Allez, je prends la lettre pour Moctescu. C'était pas celui d'Alexandrie, ça, Moctescu. Je sais plus. Ok, bon. Tue-le! Je lui écrase la tête ou la bedaine? Laquelle tu préfères? Eh, arrêtez, il est encore en vie! Il est encore en vie? De quoi tu parles? Les mages noirs ont leur vie, tout comme nous. Même s'ils ne t'apparaissent que comme des soldats de Branette. Ne dis pas n'importe quoi, ils sont comme nous, mais c'est qu'en apparence. Ils ont tué des gens comme on casse des poupées. Pour eux, on ne vaut pas plus qu'un bâtiment. Ils sentent pas que nous sommes vivants. Ouais. J'ai failli me faire écraser par un objet volant. Ma seule chance de ce malheur, c'est que je n'étais pas dans un petit aérocargo, alors je n'ai pas eu, je n'ai eu que des blessures légères. Ouais. Attendez, c'est des soldats d'Alexandrie, ça ? Un grand pays est tombé en ruine en une nuit. Les mages noirs et les chimères doivent venir d'un autre monde. Nous avons ouvert la boîte de Pandore. Mais... Le quartier ouvrier a été complètement détruit. Les quartiers commerciaux et théâtral ont été complètement dévastés. Voulez-vous envoyer des soldats à la reconstruction de chaque quartier? Les habitants doivent pouvoir retrouver leurs habitudes rapidement. Entendu. Seigneur Olmeta! Princesse Grona, Monsieur Jidan, je suis heureux que vous n'ayez rien. Oncle Cid, est-ce qu'il va bien? Ne vous inquiétez pas, le château de Lanblom a échappé à l'assaut. Sa Majesté n'a pas été blessée. Ah, je suis soulagé. Veuillez me suivre, Sa Majesté vous attend. La princesse Grona est de retour. Oncle Cid! Oh, Grona, tu vas bien? J'étais inquiet à l'idée que Branette t'ait attrapé. Jidan et mes amis m'ont sauvé. Je te remercie, Jidan. Mais Freya, Stener et Biet ont dû rester au château pour que nous puissions nous échapper. Oh, Biet, cette fameuse guerrière. Je suis sûr qu'ils vont tous s'en sortir. T'inquiète pas pour eux, Grona. Je pense que ton oncle a raison. Au début, je pensais juste quitter le château, mais on s'est retrouvé à Pinnacle Rocks. Ils seront les derniers à mourir. Pinnacle... Oh, par la route de la Gorgone. Oui, t'es au courant de tout. Malgré mon apparence, en tant que roi de Lanblom, il me faut connaître parfaitement les environs. Cependant, ce ne sont pas les informations qui comptent, mais qui en profite? Grâce à une recherche préalable, je savais déjà que la reine Branette cherchait à obtenir la force des chimères, mais... Je dois dire que je ne pensais pas à la force des chimères aussi dévastatrice. En fin de compte, sur ce point, j'étais trop optimiste. Je crois que tu as eu raison de capituler devant Branette. Clara a bien résisté, mais elle est détruite. Que dois-je dire? Que dois-je faire à présent? Eh oh! Il y en a un qui bouge encore! Faites attention, il va peut-être vous attaquer avec sa magie. Hein? C'est bizarre, il est beaucoup plus petit que les autres. Aïe! Me faites pas de mal, lâchez-moi, je suis pas... C'est pas vrai. Nous avons arrêté un mage noir en ville. Mais non, je... Quels sont vos ordres? Voulez-vous l'extrader vers Alexandrie? Oncle Cid. Retirez-vous, Monsieur Bibi n'est pas un mage noir. Il s'habille en mage noir pour tromper l'ennemi, il est de notre côté. Ah, excusez-nous, veuillez nous pardonner notre faute. Les informations que j'ai recueillies sur Bradette ne concernent pas uniquement les chimères. En plus, on sait qu'il y a un marchand d'armes appelé Kuja qui tire les ficelles de cette série de guerres. Kuja procure à Branette du matériel magique de très haut niveau. Ah merde ? Oui, c'est aussi Kuja qui lui a procuré les mages noirs. Si l'on en croit un témoin ayant vu Kuja à traîneau, il arrive toujours du nord, sur le dos d'un dragon d'argent. Donc, c'est bien lui qu'on a vu à Blue Messia. Vu qu'il vient du nord, sa base doit se trouver sur le continent extérieur. Le continent extérieur ? Il reste encore quelques continents inexplorés. Le continent extérieur est au nord du continent de la brume. Je ne sais pas si Kuja vient d'une tribu de sorcières du continent de la brume, mais il paraît qu'il est le seul à fournir des armes à Branette.
Celui que j'ai vu dans le château d'Alexandrie s'appelait Kuja. Il semble qu'il dupe Mer. Donc, si on détruit Kuja, tout finira bien. C'est Kuja qui est responsable de toute cette affaire louche. Voilà, vous êtes tout au point. Vous êtes au point. Tant Kuja, il n'y a plus personne pour fournir les armes, alors l'armée de Branette s'affaiblira. Si nous défions l'armée de Branette, nous n'avons aucune chance de la vaincre. Il faut qu'on détruise la source de tous ces maux. Exactement. Même si nous battons Branette, Kuja trouvera d'autres clients. Ce que Mère a commis est impardonnable, mais plus encore, c'est envers Kuja que notre haine doit se tourner. Mais pour l'instant, il faut sauver Stener et nos amis au plus vite. Comme vous le remarquez, pour le moment, tous les soldats s'occupent de Dunblom. Je ne peux mobiliser aucun pour vous aider. T'inquiète pas, Grenache, je t'assure qu'ils pourront s'en sortir. Tu sais, c'est une équipe invincible, avec la meilleure chevalier dragon de Blumetia, une générale d'Alexandrie et Stener... Et puis, t'es plus toute seule, Grenache, je te protège. Je vais chercher Kuja. Je voudrais partir avec toi, parce que je peux plus rester sur ce continent. Bon, c'est décidé, on va lui apprendre les bonnes manières. Cid, tu peux nous prêter un aéronef rapide? Mais tu sais que la brume n'existe que sur ce continent. Vous ne pourrez pas aller jusqu'au repère de Kuja avec un aéronef à moteur brumique. Pelé! Alors ton nouvel aéronef sans brume, il n'est pas encore fini? Non, en ce moment, c'est Branette qui l'a. Pelé! Elle a accepté la reddition de Dunblom à condition que... Primo, Alexandrie confisque le nouvel aéronef. Et secondo, Dunblom confie la griffe du dragon à Alexandrie. Je comprends que Branette ait voulu ton aéronef, mais pourquoi cette pierre? Je n'y comprends rien, moi. On n'a pas le choix. On va partir en bateau. C'est impossible. Comme le port est sous le contrôle de l'armée d'Alexandrie, les bateaux ne peuvent pas en sortir. Bon sang, on n'a pas de bol. Tu veux qu'on nage jusqu'à son repère? Mais vous avez un autre moyen. Il y a une ancienne mine dans le marais au nord du château. Et dans les environs de cette mine, des fois, on voit des monstres qui ne devraient pas exister. Il y a quelques années, un tunnel sous la mer a été découvert par des mineurs. Le bruit court que l'on pourrait se rendre sur l'autre continent par ce tunnel. Un tunnel erré au continent extérieur? C'est dur à croire, ce genre d'histoire. Il y a vraiment un tunnel pareil? Je n'ai aucune preuve. On ne peut rien dire tant qu'on n'y sera pas allé. On ne sait pas ce qui arrivera, ça va être amusant. Je vous confie la princesse Grona. Nous nous chargeons des préparatifs de la contre-attaque. Ce n'est peut-être pas suffisant, mais ça vous sera utile. Ouais, c'est déjà mieux que rien. Je t'attends. Je te demande de faire le nécessaire, Jidan. Oui, tu as raison. Ben, ouais. Maintenant, Dunblom est un territoire du royaume d'Alexandrie, compris? Je ne peux pas y retourner avant un bon moment. Prépare-toi bien, quand tu y seras prêt, viens me voir. Ouais, eh ben écoute, on va aller faire des emplettes, effectivement, parce que... Là, on s'embarque dans une aventure assez longue. Alors, il me faut une dague magique. Très bien. Ah oui. Équipé à grenat, le Pérido pour apprendre Ramu. Voilà. Alors, attendez, je vais d'abord m'arrêter au magasin, si tant est qu'il soit encore ouvert, qu'il existe encore. Ouais, il a l'air d'exister. Faudrait que j'achète une dague magique. Bonjour. Oui, ma toile est bas, elle est prise. Voilà, une dague magique, merci. Alors, Ultimasu, Galaxia, scan de feu... Un chapeau mago, posséder un, utiliser un, non... Ok, alors, voyons voir, on va acheter les deux encore une fois. Voilà, pour voir laquelle serait la plus intéressante. Alors, compétence plus, compétence plus, bon ben on va mettre celle-là. Ça lui permet d'apprendre plus vite les compétences, donc la question ne se pose même pas. Ok, alors là... Qu'est-ce que je vais enlever pour apprendre compétences plus? Rien du tout. Parfait. Très très bien ça. Ok. Ensuite, on va à la forge. Tac tac tac. Et on forme l'explodor. Voilà, après, robe en soie. Bah oui, pourquoi pas. Je peux en faire qu'une. Diadème, Coraline, chaîne d'or, boîte magique, barrette... Bon, pour l'instant, ça je laisse, parce que je sais pas encore... Alors, donc,
Tu vas apprendre solidarité et coup de peau. Et tu montes l'attaque à 31, c'est parfait. C'est parfait, sachant que si un jour je manque d'argent, je pourrais toujours revendre mon équipement, parce que pour l'instant il est toujours là mon équipement, j'ai rien revendu depuis le début. Hein. Bon, à ce niveau-là, c'est bon. Est-ce qu'il n'y a pas un petit magasin qui vendrait des objets divers? Ça m'arrangerait parce que j'aimerais bien acheter des potions, vu que j'en ai plus. Ah. Troisième perle. Le ravitaillement a commencé. Ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. C'est parce que les soldats de l'enveloppe refusaient d'obéir aux ordres. Il faut finir le ravitaillement avant que Sa Majesté ne se mette en colère. Bon, que toutes les troupes participent au ravitaillement au port. Maintenant que nous avons récupéré la griffe de dragon, cela ne servira à rien de rester ici plus longtemps. À vos ordres! Bon, la griffe du dragon, vous vous devinez pour quelle chimère ce sera, hein. Je pense que c'est pas trop dur à deviner quelle chimère sera invoquée, hein. Alors, excusez-moi. Hop, ça je prends. Un éther, ouais. Un résurex. Est-ce que tu as quelque chose à me dire, toi? La guerre, c'est pas ce que font les barbares. Ouais, bon, tu es un fou de cartes. Allez, ça va nous détendre un petit peu, une petite partie de cartes, après tous ces événements. Ah, tiens, tiens. Bon, elle est pas... On va en prendre une pour la tester, mais bon. Elle a pas l'air non plus transcendante. Hein. Ok. On va prendre ça. Ah, oh, elle est jolie, celle-là. Elle a deux attaques magiques, c'est pas mal. Et on va prendre ça. Tout qui commence, ça m'arrange. Du coup, on va mettre Ok. Ok. Là, on va mettre ça là. Pas l'atteindre, ça on va le mettre là. Voilà, et c'est gagné, dommage. À une carte près, je vais lui piquer tout. Bah, du coup, ce qu'on va lui prendre. Bon, il a rien de tant si intéressant que ça. Hein. Je prends celle-là, allez. Il a rien de bien, bien intéressant. Bon, alors, est-ce que le magasin est ouvert ou pas là-bas? Que j'achète des objets divers. Ah non, attendez, je dis le magasin est ouvert, mais non, là c'est la gare. Est-ce que par hasard, l'aubergiste ne vendrait pas des objets divers? J'appuie trop vite à chaque fois, bon c'est pas grave. C'est pas grave. Ça restaurera quand même mes PM, mais... Tac, 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 tac. Où est-ce que je pourrais trouver... quelqu'un qui me vendrait... Il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Attendez. Lui, il est dehors, là. Avec un sac. Toi, là. Le quartier ouvrier a été détruit. Tu peux plus manger. Non, toi. Là, Sa Majesté, toi. Ne parle pas, fiche-moi la paix. Ok. Ben, je sais pas à qui parler. Je sais pas comment je vais faire pour acheter des objets divers. Toi peut-être? Non, c'est un officier de l'homme, donc il n'y a pas de raison. Blablabla, bla, bla, on s'en fout. Quoi? Ah, marchand d'huile. Oui, non, marchand d'huile, il n'y a pas de raison que tu me vendes des trucs. Et là-bas, il n'y a pas un autre magasin éventuellement que j'aurais loupé? Non, il n'y a que celui-là. Celui-là, il a été détruit. À moins que tu vendes quelque chose quand même. Mon magasin a été tagué, il ne reste plus grand-chose. Ah, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ce qui reste sera amplement suffisant. Tu vas acheter 99 potions. Des renais, j'en ai 26, donc ça va. Au niveau des objets, ça va. Voilà, c'est juste les potions pour l'autopotion. Et je suis prêt. Escale de la flotte de Branette. Ils ont pris toutes nos réserves, comme prise de guerre. Ils ont vraiment tout ramené à Alexandrie? Ou alors, ils vont faire un grand voyage. Vous là-bas, taisez-vous, chargez tout ça sur le cargo. Bon sang, pour qu'ils se prennent? Essayons de gagner du temps, ce n'est pas demain qu'on les arrêtera. Maintenant, Alexandrie contrôle tout le continent. Pourquoi ils préparent un voyage pareil? Ils n'ont plus d'adversaire, non?
Mais qu'est-ce qu'ils veulent à la fin? N'en sais rien, cette rapace de Bradette ne s'arrêtera jamais. Quel pays va-t-elle attaquer cette fois? Je n'ai jamais entendu dire qu'il y avait un pays menaçant notre royaume là-bas. Je crois qu'il s'agit d'une affaire très importante. Nous autres, ce n'est pas la peine de nous inquiéter. Bon, allez, viens par là. Les soldats de Lanblom qui se sont retranchés dans la chambre? Qu'est-ce que Brenet fabrique? Dis Dan, il faut vraiment qu'on aille sur le continent extérieur? Qu'est-ce que t'as maintenant? T'as changé d'avis? J'ai peur. C'est un continent que nous n'avons jamais vu. Je ne pourrais pas t'aider toute seule, je n'ai pas confiance en moi. Tu t'inquiètes pour moi? Non, je veux dire... N'est-ce pas ennuyeux qu'une princesse perde son meilleur garde du corps? Ce serait vraiment ennuyeux. Ah, qu'est-ce que je dois dire? C'est trop d'honneur pour que vous me faites, princesse. Oh, pardon. Ça va, j'échouerai pas. Et toi, Grenat, ça va? Personne sait ce qu'on rencontrera là-bas. Je suis décidé. J'aimerais que Merme ne commette plus de crimes. J'ai compris. Reste toujours avec moi, je vous protégerai, toi et Bibi. D'accord. Là, j'imagine qu'on prend la porte du dragon... Ah, par là, maritime? Il était pas avec mon oncle, Bibi? Il est parti quelque part en me disant « Attends un instant, pu !» Qu'est-ce qu'il fait? J'ai réussi! J'ai bloqué le wagonnet qui va à la porte du dragon aquatique à ici. C'est rageant, hein, je ne les laisserai pas faire ce qu'ils veulent dans mon château. Allez, c'est le moment de partir. Mais attention, on ne peut pas se perdre, on peut se perdre facilement dans cette mine. Et puis, voilà, prenez ça. C'est quoi ce chiffon? Oh, tu n'apprendras donc jamais la politesse. Ce n'est pas un simple chiffon. C'est notre trésor national. Ce n'est pas un chiffon, mais une vieille carte du monde. Une vieille carte du monde? Elle va beaucoup nous servir. Et voilà, on a la maman. Et ouais, vous croyez quand même pas que le jeu allait se contenter du continent de la brume. Allez, vite, ils viennent par ici. Didan, Bibi, je vous confie la princesse. Oui. Mon oncle, ne t'occupe pas de moi, je suis plus solide qu'on ne le croit. Allez, vous ne pouvez pas rester ici plus longtemps, allez-y. S'ils me trouvent, ils vont faire de l'huile de pululuche. On y va, Grenat. Quand le roi est un pululuche, il n'est pas étonnant que ces hommes soient aussi idiots. Pourquoi ce petit travail leur prend-il autant de temps? Hé, vous deux, ne vous reposez pas! Quand on voit la qualité des soldats, on comprend mieux la situation. Il n'y a pas de temps à perdre, il faut que nous soyons prêts pour la prochaine opération. Cette machine est tombée en panne d'un seul coup, on n'a plus de wagonnet. Hein? Ça a fait pulu, pulu, et puis plus rien. J'aurais voulu faire des courses avant le départ du vaisseau. Le gars a signalé quelque chose? Non, nous sommes sans nouvelles. C'est le roi Cid qui en est responsable, je suis sûr qu'il cache quelque chose. Par là, suivez-moi! Cherchez le roi Cid! À vos ordres! Tiens, est-ce qu'il y a un truc pour toi? Ouais, j'ai une lettre. Bon sang, Mok a été porté disparu! Les troupes d'Alexandrie l'ont-elles enlevé? Les Majnor l'ont-ils avalé? C'est vraiment inquiétant! Qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce que tu as une lettre pour moi? Non, tu n'as pas de lettre pour moi. Toi, tu vends des trucs aussi, non? Pour aller à la mine, blablabla. Oui, je sais où il faut aller. Ah! Ah ah! Ça, c'est nouveau! Un gilet d'adamante. Voyons ça. Stone Killer et Bird Killer. Allez!
Ah oui, c'est vrai que je leur avais acheté robe en soie à eux. Ah bah oui, oui, clairement, hein. Compétence plus à toi aussi, hein. Alors elle, on va attendre qu'elle ait appris Ah mais non, même pas. C'est j'en avais acheté qu'une de robe en soie, j'en ai synthétisé qu'une. Bon, c'est pas grave, on va attendre qu'elle ait appris autopotion. Ok, voyons voir. Activer compétence plus. Et, ou alors... Non, elle a compétence plus. Non, c'est bon. Les deux ont compétence plus, ça c'est très bien. Stone Killer, tueur contre les ennemis humanoïdes. Hop là, excusez-moi, attendez. Hop, voilà. Ouais, tueur, hein. Hold up, ça fait quoi? Permet de recevoir des gis, mais on est en train de la fuite, on s'en fout. Protège de morphée. Ok. Bah écoutez, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour cet épisode, parce que ça fait déjà quasiment une demi-heure, donc on va pas commencer la suite maintenant. Donc j'espère que l'épisode vous aura plu, et du coup, bah dans le prochain épisode, on partira explorer cette fameuse mine qui nous permettra de quitter le continent de la brume et d'explorer des terres encore inexplorées. Allez, sur ce, salut tout le monde !